tu dois prospérer dans ce mariage. Ce mariage doit t'apporter des fruits extra. Tu dois prospérer et avancer dans ta vie. Ma soeur, tu dois avoir de l'abondance dans ce mariage. Tu as fait des enfants. Ma soeur, tes enfants que tu as eus doivent t'apporter de l'abondance. Les enfants que tu as, ils doivent t'apporter de la richesse, de l'abondance. C'est quelque chose qui doit toujours t'interpeller. Et c'est quelque chose qui doit être toujours dans ta tête, ma soeur. Ce n'est pas parce que tu ne mérites pas. Tu le mérites parce que tu es né pour avoir de l'abondance. Et tes enfants doivent t'apporter de l'abondance. Et il y a des secrets que je vais vous délivrer dans cette vidéo. Ma soeur, tu as décidé de créer quelque chose qui doit te faire rentrer de l'argent. Qui doit te faire rentrer et qui doit, parfois, quand tu veux faire, rien n'aboutit, n'est-ce pas? Ce que tu entreprends doit t'apporter de l'abondance, ma soeur. Et il y a des secrets que tu dois connaître. Tu comprends? Le travail que tu fais là aujourd'hui doit t'apporter de l'abondance. Tu dois monter et monter les escaliers dans ton travail. Monter les échelons. La meilleure place dans ton travail, tu dois l'avoir. Et ce sont des secrets que vous devez connaître. Tu ne peux pas être dans un service, être au même poste pendant 20 ans. Tu ne peux pas être dans un service et être au même poste pendant 30 ans. Le même poste, il n'y a pas d'évolution. Le même poste, il n'y a pas de choses, comme on appelle ça. Il n'y a pas de promotion. Le même poste, on ne t'affecte pas. C'est la même chaise pendant 20 ans. La même chaise où tu es assis, le même bureau pendant 30 ans. Mon frère, ma soeur, tu dois avoir de l'abondance dans ce que tu entreprends. Parce que simplement, tu ne sais pas faire. Tu ne sais pas faire. Ma soeur, tes rencontres doivent t'apporter de l'abondance. Quand tu rencontres quelqu'un, il faut que cette personne fasse rentrer dans ta vie l'abondance. C'est ce que tu dois comprendre. Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un qui ne peut pas rentrer dans ta vie en t'apportant de l'abondance. Lui t'apporte les problèmes, c'est à lui que tu dois donner à manger. Non, ma soeur, tu n'es pas sortie de ton pays pour ça. Tu es rentrée dans un pays où il y a de l'abondance, tu dois goûter l'abondance de ce pays, ma soeur. Tu dois goûter l'abondance de ce pays, mon frère. Tu es dans un pays, ça fait des années, et l'abondance de ce pays, tu ne goûtes pas. Moi, je dis que tu dois profiter. Voilà un secret que m'a confié ma grand-mère. Vous voyez, toute chose dans cette vie est suivi d'un secret. Si tu ne fais rien, tu ne vas pas goûter. Je dis bien, tu ne vas pas goûter. Il faut faire quelque chose. Ça, c'est la calebasse. Vous voyez, la calebasse que vous voyez, achetez la calebasse, vous allez mettre dans votre maison. Parce que selon la tradition africaine, la calebasse constitue l'abondance. Je vous dis la vérité, les amis. Ayez toujours ça chez vous pour faire vos petites astuces. L'abondance a plusieurs chemins. Déjà, cherchez le lait de brebis. On appelle cet animal, en Afrique, on l'appelle le cabri. C'est un animal qui pue, mais qui pue, je vous dis. Ça sent mauvais. C'est le contraire, en fait, du mouton. Selon la tradition africaine, cet animal, il règle les problèmes très rapidement. Ça veut dire quand il y a une situation trop pressée, qu'on a besoin d'avoir une réponse très rapide, on utilise la brebis pour intervenir. Alors, vous n'avez pas besoin de cet animal. Vous avez besoin que du lait de cet animal. Vous avez besoin du lait de la brebis pour faire cette astuce rapidement. Ça va dans un premier temps ouvrir les portes de l'abondance dans votre vie déjà. Parce que vous êtes né pour connaître le secret de l'abondance, pour en profiter au maximum. Vous n'êtes pas venu sur terre pour perdre votre temps en train d'attendre
que les choses se décantent par eux-mêmes. Lorsque vous allez acheter le lait de brebis, vous allez chercher un marché qui grouille. Ça veut dire un marché, ça veut dire il y a des jours où les gens font des marchés et puis il y a du monde. Vous voyez qu'il y a du monde. C'est simple comme de l'eau à boire. Peut-être si vous prenez la calebasse comme ça dans votre main, les gens vont tirer photo et vont vous prendre en photo. C'est ça les curieux. Vous allez sortir très tôt le matin et vous allez attendre que le marché soit rempli. Les amis, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Je partage ça avec vous parce que je veux voir et je veux vous voir dans l'abondance. C'est ce que ma grand-mère m'a dit. Tu portes une tradition et tu dois la partager. Vous allez prendre le lait de brebis. Pour ceux qui ont le courage, cherchez juste une petite calebasse. Pour ceux qui veulent être discrets, cherchez juste un petit bol. Vous mettez le lait de brebis dedans. Et lorsque les gens sont en train de... Au marché, il y a du monde. Vous vous éclipsez quand même dans un petit coin. Et vous allez prendre le lait là et vous allez verser. Et vous allez parler. Vous allez dire. De la manière le monde apprécie ce lieu, ce marché où il y a l'abondance, la nourriture, l'argent, les gens se soignent de l'argent, c'est comme ça l'ouverture de ce marché doit être dans ma vie pour que je sois et je profite aussi de cette abondance dans ma vie. Et vous allez verser comme ça, vous allez parler trois fois, vous allez verser trois fois pour une femme et vous allez verser quatre fois pour un homme. C'est fabuleux, les amis. C'est simple comme de l'eau à boire. C'est simple comme de l'eau à boire. Et c'est ma grand-mère qui m'a montré ça. J'ai dit, ça va ouvrir les portes dans votre vie. Amis, ce sont des secrets que vous devez découvrir. Parce que votre vie ne peut pas être là, stationnée. Et attendre que la richesse se démène toute seule pour courir, pour rentrer dans votre maison. Non, les amis, vous devez aller chercher la richesse dehors. Vous devez aller chercher l'abondance dehors pour la faire rentrer dans votre maison. Ça peut aider. Ça peut aider. Cet animal, il est fabuleux, le cabri. Mais pour trouver son lait, ce n'est pas du tout facile parce qu'on le mélange beaucoup. On a beaucoup de mal à trouver le lait de brebis et le vrai lait de brebis. Cette astuce, on ne la fait pas plusieurs fois. On la fait qu'une seule fois par an. Et on regarde ce qui arrive dans les années qui arrivent. Vous allez découvrir cette abondance, les choses, pour que l'abondance rentre même plus rapidement dans votre maison. Maintenant, il y a des facteurs qui peuvent bloquer l'abondance dans votre vie. C'est ce que je dis toujours. Parce que réellement, vous êtes né pour avoir de l'abondance. Réellement, vous êtes né pour en profiter. Mais beaucoup de facteurs peuvent être un blocage et empêcher l'abondance de rentrer dans votre maison. Et si vous faites ces astuces simples et vous ne voyez pas que vous ne constatez pas un changement au bout de 3 mois pour une femme, au bout de 4 mois pour un homme. Si vous ne faites rien, rien ne va changer. Rien ne va changer. Il faut que vous grouillez, il faut que vous remiez, il faut que vous allez chercher cette abondance. Alors, je vous ai donné une piste que m'a confiée ma grand-mère. Ça peut aider et je le donne de bon cœur. À vous de partager la vidéo. Abonnez-vous, il y a des secrets que vous allez découvrir. Ça peut aider, n'est-ce pas? Je vous dis.